Et salut à tous, bienvenue, nouvelle vidéo One Piece, et vidéo One Piece cette fois-ci, on parle stratégie, n'est-ce pas Trécor? Salut les gens. Oui, et on commence par quoi? On va commencer par Doflamingo, j'ai l'impression de voir à l'écran. Effectivement, mais on va commencer par Doflamingo, on va pas commencer par vous parler de Doflamingo, on va commencer par vous dire comment lui péter sa gentille tête de méchant d'animé. On est des rebelles un peu. Donc on va pas faire des deck profile, on va faire des anti-deck profile. Voilà, on part sur une petite, petite série, comment battre, du coup là on va faire comment battre Doflamingo, mais ensuite on fera comment battre Kaido, comment battre Zoro, bah, comment battre Luffy. On va commencer par les plus populaires, si on a le temps on les fera tous, sinon on fera que les plus populaires, on verra. On fera tout sauf comment battre sa femme, parce que ça on ne fait pas, c'est pas bien. On va pas se mentir Volvi, est-ce qu'on fait vraiment la vidéo comment battre Uta? Pas sûr, pas sûr que ce soit nécessaire. Peut-être, ça s'appelle jouer au jeu. Mais jouer, ce que j'allais dire, ne faites rien, jouer. Du coup, ici, on a un deck Doflamingo, un deck Doflamingo qui a gagné un tournoi en Espagne par un joueur dont le pseudo revient assez régulièrement, qui est un deck assez classique, mais... Non, justement, on a pris la liste qui ressemblait le plus à quelque chose et ça fait plaisir, parce que souvent les Doflamingo, oh mon dieu, quoi. On va dire que c'est assez classique... Teke anti-rouge. Là, il a la liste qui est Teke anti-rouge, anti-vert. Donc son but, ça va être de prendre leur ligue game très vite. Il peut par contre avoir du souci contre... On va en parler en vert, parce qu'il bat une partie de vert, pas toute. Ouais. Du coup, on rappelle, hein, donc Flamingo, c'est assez simple. Le but, c'est de regarder son deck avec ses donc Flamingo aussi et Perona pour pouvoir faire l'effet et ramener plein de Shichibukai... dit les 7 corsaires de la mer. Shichibukai, c'est quand même plus cool. En 7 corsaires, on a Gecko Moria qui ramène les autres 7 corsaires. On a Boa, le bloqueur qui permet de piocher. On n'a pas Jinbei. Les deux plus forts à ramener, c'est surtout Kuma en début de partie, parce que s'il meurt, ça ravoque un pacifista. Et après, en fin de partie, bah, ce cher Gecko Moria. Qui fait de la value. Ce sur Gecko Moria, on a Teach. Teach, super bien pour le tempo. Qui fait le taf. Mais tu vois, il y a des gens qui font l'erreur de mettre Teach tout en haut de leur deck, et quand ils l'invoquent sur 3 manas, bah, il n'y a que dalle à renvoyer. C'est compliqué. Teach, et... alors normalement, on est là pour battre Doflamingo, donc on ne devrait pas donner des conseils à Doflamingo. Ne le mettez pas en première position, mettez-les en deuxième tour en fait. Et pour remonter les T3. Voilà, et ce Mihawk, on a une petite partie pacifista du coup avec. Le Kuma, là, c'est pacifista, nous, on les joue pas trop, mais c'est le gros pacifista, 4-6000, c'est des grosses stats vanilla, et ça arrive gratuit sur un Kuma. Là, il y a un Santomaru, c'est pas obligé, mais il est laid. Et on a un seul Mihawk en haut, des fois, il y en a deux, des fois, il y en a quatre, en fonction des listes. Ouais, les gens font les fous, généralement, et ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'il n'a pas abusé. Il n'y a pas trois Doflamingo, trois Mihawk. Voilà. Mais du coup, maintenant qu'on a vu à peu près la liste, on vous a fait une petite sélection. Comment on bat Doflamingo? Du coup, hop. On vous a mis des cartes. On parle pas en termes de leader, là on va parler en termes de couleur. Voilà. Pour simplifier. Du coup, on va commencer par rouge. Par rouge, on a mis. Et c'est assez marrant parce que c'est juste les cartes de rouge en fait. Hein. Il faut dire, le point faible général de Doflamingo, c'est qu'une fois qu'il a perdu le board, il le reprend pas. Voilà. Tout se base sur invoquer des créatures qui sont engagées. Si vous les tuez, la stratégie la plus simple pour battre Doflamingo, c'est juste que vous tuez à chaque fois les 7 corsaires qu'il va invoquer qui seront engagés. C'est ça. Le souci, c'est que quand tu as un deck avec des rushs, dont ce Zoro, on aurait pu aussi mettre le Sanji, mais il est moins iconique. Bien sûr. T'as l'impression de prendre le board parce que t'as vidé un board, t'as des rushs qui viennent qui font non, c'est à moi le board en fait, tu arrêtes. Tu vas commencer par taper avec ta petite créature qui était en jeu là. L'adversaire va défendre, tu tapes avec ton leader, l'adversaire va défendre, et là tu commences à sortir tes rushs de ta main, il se fait submerger. Donc tu vas avoir ces euros. On les a pas mis, mais il y a aussi, nous on aime beaucoup jouer les petites créatures à 4000, en Zoro en particulier qui marche très bien. Luffy peut pas faire ça, parce qu'il les a pas ces créatures là, mais en Zoro c'est très fort. Submerger l'adversaire de petite créature et il pourra pas revenir, parce qu'il n'y a pas d'effet de zone en fait en bleu. Non, il va pas vous mettre de panté mort. De panté mort très efficace, il y a pas de kid, il y a pas de Kaido, il y a pas de toutes ces choses là, donc il est obligé de à un moment prendre le board. Il peut vous renvoyer les cartes en main, mais renvoyer les cartes en main quand elles ont rush, c'est compliqué, et quand elles coûtent 2, c'est pas cool non plus. C'est pour ça qu'une des grosses tech cards bleues, c'est Jinbei.
Voilà. Du coup, tu renvoies en dessous du deck et ciao Zoro, quoi. C'est pour ça qu'il essaye de le taker comme ça. Deuxième carte importante en rouge, elle est tout en bas parce que c'est un event et que c'est rangé comme ça. C'est le Jet Pistol. Alors ouais, carte de mid-game, hein. Faut pas l'avoir en main de départ, faut pas focus cette carte-là. Ouais, attention, mais... Jet Pistol x3 dans la main, en général la partie est pas bien. Deux avantages. L'avantage, c'est que ça va permettre de tuer ces fameux pacifistas qui sont bloqués par Kuma. Tu sais, ce pacifista à 6000 là, qui fait très très mal, Jet Pistol, c'est réglé. Et aussi, cette boa qui garde en défense. Beaucoup de gens font l'erreur de jamais attaquer avec leur boa, ce qui est une erreur, il faut taper avec. Hein. Comme ça, vous êtes sûr de piocher, l'adversaire devra la gérer, mais au moins Jet Pistol, ça la calme et il pioche pas. On aime. Et surtout, quel trigger. Oh là, quand Doflamingo, il vous trigger Jet Pistol. Ah ouais, c'est il fait son truc, il invoque un truc, ça, il y a un Jet Pistol qui part, bim. Allez, hop, la carte que t'as jouée, ça dégage. C'est très très efficace. En vert. Bah, une des meilleures couleurs pour battre Doflamingo, en fait. On a les deux demoiselles. Bon. Demoiselles, voilà. On ne juge pas de ces personnes. Voilà. On ne met genre pas, on ne sait pas. Du coup, Iso et Okiku, pourquoi? Bah, tout simplement parce que bah, Okiku, elle peut engager à peu près tout et sa famille dans le deck. Elle engage tout le deck. Elle engage même Vergo si le mec il fait voilà. L'honneur de jouer. Quoi. Et du coup, vous allez... Si déjà il met des trucs engagés et qu'en plus chaque tour le truc qu'il peut jouer, qu'il peut poser pour en essayer plus, ouais. Vous l'engager, bon bah on va pas se mentir, la partie elle se passe bien. Il a pas de board, il est généralement foutu et même s'il arrive à tenir, on a le pire ennemi de bleu. Montre-nous voilà. Lui, c'est ce cher kid voilà. Qui est une plaie parce que bleu n'a absolument aucune carte pour le passer. Tu vois, rouge, il peut arnaquer avec du Gordon, de la Otama, de bah, Runetable, même si on n'aime pas. Runetable. Violet, ça le met à moins 2000. Mais vraiment, il n'y a aucune solution pour bleu, pour ce kill. Faut taper très fort. Et pour taper très fort, bah, faut que t'aies le board. Donc si tu t'es fait gérer le board en début de partie par Okiku, bah c'est fini. C'est un problème. Donc, ce Stas Kid qui, en fait, le problème, c'est que le deck va pas pouvoir gérer ces jeunes filles qui vont tout engager, qui vont embêter, etc. Vous, en plus, vous avez des killers, vous avez des X-Drake, les trucs arrivent engagés, vous avez même pas besoin de les engager oui, pour la plupart. On n'a pas mis, mais X-Drake aussi qui pète un T4, c'est monstrueux. On va pas se mentir, le match-up est très à l'avantage de Vert. Moi, je considère qu'il est très, très, très bon pour Vert. Voilà, moi c'est ce que je trouve. On va pas se mentir, même quand bleu fait des très 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 bonnes sorties, vert revient. Oui, bah vert en fait, déjà normalement c'est vert qui prend l'avantage au début et en fin de partie il met une situation que le bleu peut pas passer. Donc il y a que un petit peu en mid game s'il y a une excellente sortie de bleu avec du Jinbe, du Teach, t'as une chance, mais t'as pas intérêt à traîner. Hein. Le miroir. Alors le miroir, ce qui est marrant, ça va se jouer à celui qui va être le plus greedy en fait. Voilà. De manière assez basique. La gridance, on a du coup Vergo. Vergo, bah parce que 7000, c'est très dur d'aller chercher. Et vu que la plupart des corsaires sont des 5000, il a toujours le palier avantageux sur eux. Avec ce 2000 de plus. Ce qui fait qu'il va pouvoir tout le temps trade très facilement. Et très dur d'aller chercher. Il fait le taf. Les 7000 sont très très cool dans le jeu. Elles sont... Il y a pas mal de gens qui slipent un peu dessus. Mais ouais. Comme c'est le palier ton bloqueur 2000, faut rajouter un truc. Ouais. Ça fait vraiment le taf. Et on l'a dit pour grider, bah voilà, le Mihawk, il fait le taf. Alors, en fait, autant Vergo, on vous le conseille de le mettre en x4 dans votre deck Doflamingo. Il n'y avait pas dans celui qu'on l'a présenté. C'est peut-être une erreur parce que très très fort. Autant Mihawk, on vous le conseille pas de le mettre en x4. Mais le fait est que vous devez faire un tournoi où vous savez que les 8 joueurs et les 8 jouent Doflamingo, bah vous jouez 4-4. Mettez 4 Mihawk. Voilà, c'est débile, hein. C'est débile, mais ça marchera. Mihawk, il fonctionne. En violet. Alors bah... ça, c'est un truc que je comprends pas. Les gens disent que Doflamingo est bien contre violet. Je ne sais pas dans quel monde c'est possible. Parce qu'il se fait fumer toutes les grosses cartes de Kaido. Il n'y a que King 7 qui est pas très efficace contre Doflamingo. Mais tout le reste, c'est monstrueux en fait. Parce que vous avez ce gros Kaido, le deuxième gros Kaido, le petit King 6. Le plus fort, je dirais que c'est le King 6. Parce qu'il arrive très tôt et il va tuer un corsaire et il sera indélogeable, ce King 7. Oui, il va être indélogeable, je suis d'accord. Après, franchement, des fois, tu commences. Comme le deck, le problème du deck Doflamingo, c'est qu'il est très peu agressif. Quand même, il tape, hein, parce qu'il faut penser que le leader tape à 7000.
Donc ça peut surprendre. Oui, le Tu sais, leader tape à 7000, mais quand il ça. fait que taper à 7000 tout droit 7000, tout droit 7000. Oui, mais ça prend du mana, tu vois. Oui, mais au final, c'est 2 mana qu'il met pour booster son leader. Dire ça prend du mana, moi je le trouve pas très agressif, tu vois, c'est pas rouge. Le souci, c'est que la plupart des gens le jouent pas assez agressivement parce qu'ils veulent pas taper avec leur bloqueur. Mais Peut-être. tape avec ta boa, tape avec ton pacifista, Moi tape je avec tout. le mettrais dans les decks les moins agressifs, tu vois, je mets vert et rouge dessus. Ah bah évidemment, oui, Donc rouge et vert sont au-dessus. tu vois, donc Mais il y a quatre sinon, couleurs. en termes d'agressivité, bah, tu fais rouge, vert, bleu, violet. Mais voilà, mais du coup, comme le bleu est pas très agressif, des fois juste un Kaido 10, il fait le taf, hein. Ah oui, non, bien sûr, tu as le temps d'arriver sur Kaido 10, tu vides le board, et l'adversaire, il n'a pas le temps de refaire un board, il va juste te faire fumer parce que tu vas taper avec ton Kaido, faire l'effet de ton Kaido, finir avec Kaido 10. C'est terrible, hein, parce que tu fais ton Kaido 10, tu fais ton petit Onigashima, ou même pas, tu rep Ah mais, le mec il je sais repose un pas. truc, tu refais King dessus, blah! Qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, tu regardes et tu fais bah, bonjour. T'as une sortie avec Onigashima, tu fais Kaido 10, après t'enchaînes avec Kaido 9, bah, le mec, il a envie de se tirer une balle, quoi. Ce Kaido 9 qui arrive, qui pète deux créatures en face, c'est monstrueux. Après, tu vois, même t'as pas Onigashima, Kaido 10 King, ça fait le taf, Parce qu'il faut penser que ces Kaido-là ne peuvent même pas être ciblés par Mihawk. Hein. Mihawk, il fait rien contre ça. hein. Ouais, Mihawk, il est là, il fait ah! Très Trop bien. fort. Et puis avec ses 9000, lui, il attaque, il est pas bien. Kaido, il le regarde, il fait bonjour. Ah bah si tu tapes avec Kaido 10 sur Mihawk, t'as de grandes chances de le tuer, oui. Non, non, vraiment, on l'a dit, hein, comment battre quand t'es en bleu, c'est d'être plus greedy. Bon, bah, violet, normalement, t'es plus En fait, ce greedy. qui est marrant, c'est que c'est l'inverse. Contre Violet, faut pas chercher le combat de greedy, faut chercher le combat de board. Il faut agresser. Ça Voilà. va être tout ce qui va être bah, Sentomaru. Tu vois, Sentomaru qui va invoquer des pacifistas. Bon, tu remplis le board et tu agresses. Mais ça, on en parlera quand on fera le. Bah, comment gagner? Oh, to beat Kaido. Mais voilà, du coup, c'est les cartes. En rouge, le Jet Pistol qui fait beaucoup de taf. Zoro, on met du board. On La prise engage de board en rouge, ouais. le Trop de. 8. Le Kid 8 termine. Celui qui est le plus greedy gagne en bleu. Et vraiment, pourquoi vous mettez pas des Kaido à 10 dans les gros boards remplis à 5? Ça fait le taf. Après, il y a les gens, tu vois, qui te. Le counter ou counter, c'est tu poses deux Kuma sur le board et Kaido 10, il a l'air d'un con. Oui, si tu Kaido 10 au moment où il a Hawk 2 pacifistas de sa main, t'as les rideaux, évidemment, il faut le faire au bon timing. Voilà, mais on va compter sur le fait que vous avez quand même un cerveau et vous n'allez pas faire n'importe quoi. Tu S'il vois, vous plaît! on a le délire. Mais voilà, c'était la première vidéo d'une nouvelle série. Comment battre? C'était le comment battre Don Don Flamingo. Flamingo. On espère que, écoutez, ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'on devrait le faire autrement ou si la manière de présenter vous a plu. Potentiellement, on pourrait le faire aussi dans Tabletop Tabletop. Simulator, qui est très joli, qui n'a pas ce côté un petit peu roots du simulateur, Et mais surtout qui nous permet de créer les situations voilà. où on monte. Là, tu peux attaquer, là, tu peux activer. Mais qui a le souci de c'est beaucoup plus lent parce que bah voilà, on n'a pas tout affiché comme ça, il faut zoomer, dézoomer. Au niveau de la vidéo, c'est un petit peu plus complexe. Donc on attend vos retours, on espère que ça vous aura plu. Et on vous souhaite bonne chance pour vos futurs tournois de One Piece en espérant que vous regardiez ces gens qui jouent bleu et que vous leur cassiez la gueule. Parce que bah nous, c'est ça qu'on Alors, veut, bien entendu. revenez dans 2 semaines et vous me Ah mettez un ouais. commentaire. Grâce à vous, j'ai fumé mon voisin. Ah C'était ouais. trop bien. Ah ouais, ah j'ai fumé. Même si c'est votre cousin il sait pas lire, vous le fumez, vous nous mettez un J'ai fumé commentaire, on est mon petit content. cousin de 7 ans. Allons Je lui ai nous. fait la stratégie du Kaido 10 into Kaido 9. Point, 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 il a rien compris. Voilà, c'est frapper des enfants, on sera heureux. Attends, wait. Non, ne faites Comment pas ça? ça. On vous fait des gros poutous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne avec soit du One Piece, soit bien entendu du Marvel Snap. Passez une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et à très vite. Salut! Bye bye.